Coucou les accros du scrap. Donc, j'étais partie deux jours, là. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'étais aux obsèques d'un ami en Normandie. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de kilomètres. Je suis rentrée hier soir très tard et j'ai trouvé, mon mari avait vidé la boîte aux lettres, heureusement, parce que j'avais tout ça. Quand même, hein, quand même. Donc, normalement, la date butoir du concours, c'était aujourd'hui. Non, demain. Oui, demain, le 31 juillet. Je vais laisser jusqu'à lundi, parce que j'ai encore une ou deux filles qui m'ont envoyé un petit mail et qui m'ont dit que ça partait. C'est parti hier pour une. Donc, je pense que lundi matin, j'aurai encore quelques courriers. Donc, je laisse jusqu'à lundi. Et lundi, on clôt et on fera le tirage au sort. Je vous montrerai les lots. J'ai presque tout préparé. Donc, je vous les montrerai quand même avant. Et on fera le tirage au sort lundi. Voilà. Je le ferai sans doute lundi après-midi. Je ne ferai pas en live parce que je suis encore pas trop comment faire. Oh, c'est même pas ça le problème, c'est que je peux pas faire de montage en live. Alors que si je me plante, si je bafouille 3 heures et tout, la vidéo va durer de plombes. Hein, mais je vais pas beaucoup faire de montage. Hein, y aura pas de triche. Hein, ça non. Hein, j'ai horreur de ça. Hein. Bon, on y va parce que j'en ai quand même pas mal. Donc là, je commence par... c'était comme ça posé sur mon bureau, alors je suppose que c'est du premier au dernier arrivé. Donc je commence par celui de Camille, donc je vais mettre tout ça de la chaîne Camille Scrap. Donc déjà, dans un premier temps, je te remercie beaucoup Camille, hein, c'est super sympa. Et on ouvre tout ça, un petit ciseau. Là. Oh, mais je suis trop impatiente, hein. Là, tac. Il n'y en a pas qu'une, hein, là. Oh là 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 là. Tout ça, Camille. Les petits poissons. J'adore. Je prends l'envers, en plus. Prendre le temps de vivre chaque instant. Oh, j'aime bien ces petits poissons, là. Donc, j'essaye de parpouiller, Camille, parce qu'on dirait que ça, c'est le fond, c'est un fond déco qui est déjà tout fait comme ça, avec le petit truc autour. Ouais, même ça, c'est tout le même fond. Là, c'est un die cut. Die cut, la petite étiquette. Là, die cut aussi, le rond, le bleu dedans aussi. Là, c'est des tamponnages que tu as coloriés, que tu as découpés, que tu as collés. Trop chouette, Camille. Je regarde derrière. Ah bon, je ne l'ai pas vu. Oh non, parce qu'elle m'a marqué félicitations pour tes 100 abonnés qui sont plus de 300 maintenant. Ça va vraiment augmenter. Hein, oh là là. Voici quelques cartes pour le refuge amitié, Camille. 300, j'ai pas regardé en fait le chiffre. Oh, ben c'est vraiment super les filles, hein, et les garçons. Hein. Je remercie toutes les nouvelles abonnées. Je les gâterai aux 500. Ouais, parce que le prochain concours, ça sera pour les 500. Ça prend quand même pas mal de temps. Donc je suis tout émue. Hein, quand elle met déjà 300, c'est super. Mais là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire de tuto, tout ça. Alors, je vais tâcher de m'y remettre rapidement hein, cette semaine. J'espère que j'aurai pas trop de Trafalgar qui vont me prendre du temps. Et voilà. Donc, 300 abonnés, c'est bien. Merci beaucoup. Merci aux nouvelles abonnées. Et puis, celles qui regardent, qui sont pas encore abonnées, ça coûte rien. Hein. On appuie sur la petite cloche. On demande toutes les notifications pour rien louper. Un petit pouce en l'air aussi, ça fait plaisir, ça encourage. Hein. Voilà. Allez, on continue, Camille, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Je vais peut-être faire en deux fois. Ou vous accélérez pour aller à ce qui vous intéresse. Hein. Ouais, Camille, elle fait des jolis fonds toujours. Hein. Donc, je ne vais pas tout détailler. Hein. Je pense que c'est du fond aux encres. Pas aux encres alcool, ni au pad, à distress.
On dit distress, mais il y a toutes sortes de marques. Hein. Donc voilà, la carte petit chien, petit chat. C'est top. Merci du fond du cœur. Super. Tout dans les tons de vert. Merci. Donc deux pareils, c'est pas un problème, hein, parce que j'ai pas que deux, trois personnes qui m'envoient des dons, donc je leur envoie rarement les mêmes cartes. Hein. C'est trop bien. Pas deux pareils, parce que le fond n'est pas le même. Super, hein, et je laisse d'ail aussi, il est trop top. C'est trop sympa. Donc à chaque fois, une petite découpe de feuillage ou de fleurs. Au pochoir, elle a fait là, ancré tout autour, les trois petites perles. Trop chouette, Camille. Et là, j'en ai une pleine boîte de cartes. Une pleine boîte. Là, j'en ai pour vraiment un moment. Hein. C'est quoi ça, Camille? C'est un cadeau? J'ai pas demandé de cadeau, Camille. J'aime bien aussi celui avec la lune. Ah ouais, elles sont toutes chouettes, Camille, elles sont toutes superbes. Hein. Et un cadeau, c'est top. En plus, j'en ai pas de tamponnage vert, fruits. Bon, c'est pas un style que j'ai encore bien fait. Les cocktails, les choses, mais les fruits, super, les glaçons. Ah bah, je te remercie beaucoup, Camille, c'est vraiment gentil. Hein. Vraiment, vraiment gentil. Je suis encore en dette, hein, Camille. Je suis encore en dette. Allez, on continue. Ah oui, Camille, tu as le numéro. Camille, je t'ai déjà tout noté. 34. Voilà. Ensuite, Cathy, de la chaîne Cathy, 33 Créations. Donc, je tâche d'envoyer un petit mail à tout le monde pour leur dire que j'ai reçu le courrier, mais je pense que vous allez revoir la vidéo avant que j'ai envoyé le petit mail. Parce que déjà, j'ai eu deux jours où j'ai pas pu aller trop regarder mes mails. Donc sur la boîte du refuge, j'en avais déjà pas mal. Attends, je voudrais pas couper l'adresse. Là. Donc j'ai commencé ce matin déjà de répondre. J'ai trois boîtes mails. Hein. Donc j'ai déjà répondu aux mails du refuge. C'était pour moi le plus important, désolé. Hein. Voilà, j'aurais pas loupé une adoption parce que j'ai pas répondu à un mail. Donc les mails, les messengers, etc. Donc ce matin, j'ai fait tout ça. Alors, Cathy, bonjour ma chérie, j'espère que ces cinq petites cartes, et dis donc, iront pour le refuge. Je n'avais pas beaucoup de chiens à part les 100 et dalmatiens. J'espère que cela ira. Oh, mais c'est top. C'est top. Oh, regardez comme c'est sympa. Vous voyez, il faut pas grand chose. Hein. Oups, je vais me mettre dans le champ quand même. Ça y est, je recommence. Oh, chouette, Cathy. Donc, la petite carte avec. Elle m'a fait un matage. Hein. C'est épais là-haut. On dirait qu'il y a un. Ah non, elle a mis une autre petite dedans. Oui, si je veux écrire mon petit message. Super! Oh, j'adore le petit tampon là. Ah, les petits chatons. En ce moment, on en a hein, de toutes les sortes. Heureusement, on a quand même pas mal d'adoptants. Donc ça va, ils vont pas rester chez nous, les petits. Ok. Ouais, il est chouette, tu l'as dans son hamac. Donc un papier déco et puis simplement une image collée. Hein, le merci. Il m'a mis un petit carton à chaque fois dedans. Oh, il est sympa aussi celui-là de petit tampon. C'est chouette, Cathy. Super. Et les 101 dalmatiens, ben, ça, c'est... tout le monde connaît, ça plaît à tout le monde. Ouais. Non, il me fallait des chiens aussi. Parce que, comme je vous disais, il y a des gens qui donnent vraiment pour les chiens. Et beaucoup pour les chats, mais aussi pas mal pour les chiens. Il y en a, j'ai repéré même qu'ils n'aimaient pas les chats, hein, ça arrive. Hein. Ouais. Donc ils aiment les chiens, mais ils n'aiment pas trop les chats. Comme leurs chiens d'ailleurs. Oh les moutons, trop top. C'est pas un mouton Valérie, c'est un petit caniche. Oh là là, un mouton. C'est un petit caniche. Chouette.
le papier déco et puis elle a coupé une image avec les 101 dalmatiens dessus. Tu les as comptés, il y en a 101, bon, je compterai plus tard. Voilà. Et le tampon, le Adai Cut, merci. Génial, Cathy. Ouais. Mais on dirait des photos, même ça, hein. Plus qu'une image de magazine que tu as découpée. C'est peut-être tes chats. tu m'as pas dit. Joli ce papier déco, là. Un peu pailleté. Et puis le petit tampon chat à l'intérieur. Joli les petits tampons chat. Ouais. Ah, un petit rouquin. J'aime bien les rouquins, moi. Bon, je les aime bien tous, hein. Mais je trouve que les rouquins, souvent, ben, moi, de mon expérience, hein, c'était tout. J'ai rarement eu de rouquins méchants, en fait. Enfin, méchants. Caractériels. Ou... C'est toujours des pantoufles, quoi, comme on les appelle. La même un qu'on avait appelé pantoufle. Hein. Nous, on a pantoufle, peluche, on a des noms comme ça. Merci. Alors là, le petit fond, là, c'est peut-être toi qui l'as fait, ce petit fond, non? Je sais pas, tu me diras. Et les petits tamponnages à l'intérieur, tout mimi, ils sont sympas, des petits tampons, là. Super, Cathy. Ben, voilà, Cathy, donc, de la chaîne Cathy. Cathy 33 Création. Attends, j'ai un peu du mal des fois. Cathy 33 Création, voilà. Donc, Cathy, tu as les numéros. Alors, je retourne ma truc. Ah ben, sans faire exprès, hein. Donc, Cathy 33 Création a le numéro 33. Et j'ai pas fait exprès, hein. j'ai mis les numéros comme ça, hein. Oh, c'est marrant, hein, Cathy. Donc, je garde bien l'enveloppe parce que j'ai l'adresse. La petite carte. Attends, il y a quelque chose encore. J'avais pas vu qu'il y avait encore à l'intérieur de la carte. J'ai regardé que le devant, en fait. Parce que ça avait collé un petit peu. Ah, si tu veux, je t'en ferai d'autres. Envoie-moi un mail. Voilà, elle me met son petit mail. N'hésite pas, surtout gros bisous ma chérie. Catherine. Ben, c'est moi qui te remercie. Oui, il n'y a pas de souci, hein, mais je te dis que quand j'aurai déjà fini toute la boîte que j'ai, il va se passer du temps. Mais qui dit, je referai peut-être un concours sur le même sujet, peut-être pas aux 500, mais aux 20 000. Non, je rigole. Non. Oui. Possible que je refasse un concours sur le même sujet quand ma boîte commencera à se vider. Voilà. Non, mais pour le moment, c'est vrai. Je vous montrerai tout à la fin du concours la boîte. Vous allez voir. Allez, on continue avec Edwige du 74. Edwige, tu auras le numéro 32. Je te le dis tout de suite. Mais je te le répéterai après. Alors, attends. Je ne vais rien couper. Parce que je ne vais pas faire des sottises. Edwige. Donc, c'est Edwige J du 74. Là. Oui, chouette. Ah, sympa. Donc, elle a fait avec un pochoir mûr, elle a fait un ancré, hein, à l'encre, aux pattes d'encre. Un tamponnage, il est sympa ton tamponnage là, parce que c'est un polar en fait, un polaroïde avec des écritures derrière. Et puis elle a mis deux dailles d'un petit chat noir et d'un petit chat gris, comme ça on voit leur ombre, différentes couleurs. Des petites énamelles d'hôtes, merci du fond du cœur, un autre dail ici, les petits zigouigouis en crayon jaune. Très belle, Edwige. Alors bonjour, je me cache un petit peu, parce que j'ai ces coordonnées, vas-y faire des actions concours, j'espère que cette petite carte personne, mais surtout plaira à la personne qui la recevra. Oh ben ça leur plaît toujours, hein. Ils me le font savoir. Hein. Ah d'accord, tu as une chaîne, Edwige, qui dit Scrap. Est-ce que c'est une chaîne? Ou est-ce que c'est ton pseudo? Je sais pas. Je pense que tu as une chaîne. Je sais pas, je regarderai, parce que ça me dit rien, j'en ai quand même pas mal. En vue et celle-ci me dit rien. Je regarderai si tu as une chaîne.
Edwige. Ok, merci beaucoup, Edwige. Mais le petit mot à part, pas que je le retrouve. Oh non, de toute façon, ça ne peut pas m'arriver de l'envoyer avec la carte parce que j'ouvre toujours pour mettre mon petit mot à moi et les informations du reçu fiscal. Edwige, je te rappelle ton numéro, c'était le 32. Donc là, on a Marie-Pierre du 62. Merci Marie-Pierre, merci. Tu vois, c'est arrivé à temps. Parce que tu étais une de celles qui, je crois, qui me disait « Oh, ben j'aurais pas le temps, dommage, mais c'est pas grave si je fais pas le concours, je t'envoie quand même. » Donc tu vois, c'est arrivé. C'est pour ça que j'ai laissé un jour de plus quand même. Parce que moi, je dis, c'est normal de vous récompenser, vous avez passé du temps, vous passez de l'argent. Donc au moins avoir une chance, peut-être pas envoyer une carte à tout le monde après, parce que ça va me faire trop, hein. Mais bon, sachez quand même que je vous remercie infiniment, quoi. Je dirai jamais assez merci. Alors, j'ai plus rien, parce que je sentais un truc dur dans cette enveloppe, elle est épaisse, alors on a l'impression... Ah oui, c'est l'étiquette que tu as collée, là. Je sentais que j'ai cru qu'il y avait quelque chose encore dedans. Alors, attends. J'enlève comme ça déjà, parce que s'il y a le petit mot que je ne veux pas qu'on voit les coordonnées. Donc voilà la petite carte qu'elle m'a fait déjà pour mettre son petit mot avec les petits. Ils sont super sympas ces petits die-cuts là. Stickers, c'est stickers. Ça c'est un die-cut, ça c'est les stickers. Super sympa. Bonjour Valérie, voici deux cartes fait main. Bah oui, heureusement fait main. Non mais. N'ayant plus d'enveloppe pour cette dimension, c'est pas grave les enveloppes. Et afin d'éviter tout retard, je te l'envoie directement dans cette grande enveloppe. D'accord. Merci de nous d'avoir accepté. En bas, tiens. Marie, activité, scrap et autre L. Tu as une chaîne ? Carte faite par ma petite fille Lina, 11 ans et demi. Ah oui, super ! C'est celle-ci, c'est sa fille qui l'a faite, Lina. Super. Eh ben, tu sais, Lina, y a de la bonne idée déjà. Hein? Et puis, c'est super joli. Hein? Une future scrapeuse. Une future scrapeuse. Voilà, la relève. Super, Lina, t'es bien partie. Scrap et autre L. Je vois que tu marques... Donc pareil, alors je regarde si tu as une chaîne. Dites-moi quand vous avez une chaîne que je puisse aller voir et m'abonner. Merci de nous, alors merci de nous avoir accepté. Pourquoi j'aurais refusé? Oh là là, des fois. Merci beaucoup. Oh, ils sont super chouettes, tes stickers. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils sont trop beaux. Là, il y a le petit chat dans son panier. Voyez, on n'y voit que sa tête. Alors ton die cut là, merci beaucoup, il est trop joli aussi. Hein. Fait dans un joli papier rose, brillant. Super chouette. Hein. Ah oui, c'est par Océane celle-là. Attends, t'as combien de filles? T'en as plusieurs? Parce que moi là j'ai Lina. Ah, c'est ta petite fille, Lina, 11 ans et demi. Ah oui, t'en as plusieurs de petites filles. Par Océane, 10 ans. Oh là là. Et pour coller ça, déjà, hein, sans me déborder, c'est pas simple. Donc là, je le laisse là. Oh, j'adore les petites fleurs dessus. Celles-là, c'est joli comme tout. Elles sont vachement originales, ces petites fleurs. Attends. Ah, et là, oui, je la prends à l'envers, moi. J'avais pas vu, au dos, t'avais mis des choses aussi. Ah ouais, mince, j'ai pas retourné, désolée. Ah, oh, elles sont chouettes, les petits zouzouilles. Ah ouais. Ah, parce que j'ai pas retourné, c'est pour ça, j'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose au dos. Personne m'a mis des choses au dos. Non. En règle générale, non. J'oublie toujours de les retourner. Trop belle. Oh, celui-là, alors sa tête avec ses petits yeux bleus. C'est joli comme tout. Et celle-ci, donc, la coupe est faite en papier d'alu. Oh, ben c'est trop top.
Ah oui. Ah, tu dois mettre plusieurs couches de papier. Regardez comme c'est chouette. Plusieurs couches de papier, je pense, parce qu'une seule couche, ça ne doit pas suffire pour que ça soit un peu solide. Ouais. Et puis quand on passe dans la machine, ça l'aplatit. Une fois qu'elle est bien aplatie, on repasse avec le dail. Alors après, je te dis pas pour l'enlever du dail. Ouais, faudra que j'essaye. Super idée. Parce qu'en plus, j'aime bien le rendu, hein. Ça fait légèrement martelé. Et le die stickers sont encore super chouettes, hein. Ils sont jolis, ces stickers, hein. Trop top. Moi, je les aime bien. Super, super, super. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça valait le coup d'attendre et puis d'avoir accepté, hein. Le petit mot là, hop. Allez, on continue. Que j'en ai encore deux là. Hélène G du 49. Excuse, Marie-Pierre, je t'ai pas donné le numéro. Tu as le numéro 31, Marie-Pierre. Donc, Hélène G du 49 qui aura le numéro 30. Si en cas après j'oublie de le dire, je le dis deux fois, je le dis une fois, mais j'ai tellement peur d'oublier de le dire que. De toute façon, vous me demandez, hein. Faut pas hésiter, hein. À me demander en commentaire. Voilà. On ouvre. Tac. Donc ça suppose que. Hello, mais c'est quoi tout ça? Oh, ils sont trop mimi. Des petits tags avec des. Elle m'a mis des stickers Puffy dessus. Moi, j'y déballe pas tout, hein, mais. Oh, c'est super sympa. Oh, ben c'est top, Hélène. C'est merci, merci, merci. Je vais pouvoir m'en servir aussi après. Mais là, je vais les mettre de côté. Et puis, je m'en servirai si je tombe en panne de carte. Mais ça risque pas d'arriver avant un petit moment hein, que je tombe en panne de carte. Après, c'est vrai que quand il arrive janvier, décembre, janvier, Noël et tout, on soit quand même pas mal là. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est pas Marie-Pierre. Oh, Valérie, c'est Hélène. C'est Hélène. Hélène. Oh, je m'appelle Hélène. Excuse. Et puis là, plein de die-cuts. Non, mais je déballe les cartes. Je déballerai tout ça après. Ta petite carte, elle est belle comme tout, hein. Le petit chat. Oh. Ah ouais, elle est jolie comme tout. Allez, je l'ouvre, hein. Je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre. Je lis vite fait. Si c'est trop long, je lirai après. Donc, je pense que c'est de l'aquarelle. En tout cas, si c'en est pas, ça y ressemble. Non, ça, c'est fond à encre, hein. Ouais, peut-être bien. Ça, les sapins, là, les petits sapins, ils ressemblent à l'aquarelle. Attends, le petit mot. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, Hélène. Quelques découpes, j'aurais aimé faire plus. Oh, ben, j'aurais aimé faire plus. J'ai demandé une carte à la base, hein. Beaucoup de fatigue. Les chaleurs m'ont mis KO. Ah, t'habites où que tu as de la chaleur, toi? TLN du 49. Hein? Parce que nous, on n'est pas tués par les chaleurs. Hein? Bonne continuation sur ta chaîne. Scrap bisous, Hélène. C'est trop gentil. Martine Bruyant. Bah écoute, repose-toi, hein, Hélène. Hein? Et puis, bah, faut se mouiller la nuque quand on a chaud. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, ce qui fait vachement du bien, c'est de se mouiller les cheveux. Les cheveux, et vous ne les séchez pas, vous laissez les cheveux mouillés tout le temps. Hein, ça refroidit bien le cerveau. C'est surtout sur la tête qu'on prend froid, la nuque, qu'on prend chaud. Et quand on n'est vraiment pas bien, il faut faire comme ça. Allez, j'ouvre ta petite carte, Hélène. Ah non, pas ta, t'es, voilà. Oui, chouette, chouette Hélène.
Des petits canards. Oh, ils sont beaux, tes stickers, tes tamponnages canards. Les petits oiseaux, j'aime bien aussi. Le petit chat. Oh, c'est joli, c'est très joli, Hélène. J'aime bien être au soleil, avec le fond comme ça. Donc tu as fait que des distress et des encres, des pattes d'encre. Et j'aime pas dire distress parce qu'il n'y a pas que distress hein, comme encre qu'on peut ancrer avec. Hein. On peut ancrer avec toutes les encres qu'on tamponne. Hein. C'est, ouais. J'aime bien, très jolie Hélène. Alors je mettrai dans l'enveloppe après, j'arrête de perdre du temps parce que sinon je vais encore mettre trois plombes. Oui! Oh, il est chouette. Alors, elle a fait des dailles avec du papier noir mais brillant. Petit merci. L'électrocardiogramme avec la patte, le cœur. Cœur qui bat, là, c'est deux die cuts qui sont superposés pour faire le ciel. Un die cut bordure herbe, un die cut bordure de petits bois. Les deux verts, là, ils sont super. Il est joli, ton vert pour faire l'herbe, ça va super bien. Moi, j'ai essayé une fois de couper dans du vernis comme ça, j'arrivais plus à enlever le papier du die. C'est avec certains die, ça coupe moins bien. Hein. Même en mettant une lingette, j'ai eu de la misère pour l'enlever. Alors maintenant, j'hésite un peu à le faire. Très jolie, Hélène. Superbe. Merci beaucoup, Hélène. Et puis, toutes tes petits dailles, là, tes die cuts que tu m'as fait. J'ouvre quand même vite fait, hein. Les copines, elles aiment bien voir. Allez, je les fais ici, là. Voilà. Regardez celui-ci. Je les pose là. Trop beau, hein? C'est un colibri, ça. Le bec bien long comme ça. Coupé dans du papier argent. J'aime bien argent, moi. Je suis plus argent que or. Des petites étiquettes or. Je m'en sers aussi or, hein? Il est joli cet or-là. Il n'est pas trop jaune. Des fois, ça fait jaune. Trop mastoc quoi. Celui-là il fait vraiment couleur or en fait. Et puis plein de mots, ça j'adore. J'adore parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai le principal. Vous voyez, bonheur. J'ai pas tout vous montrer parce que je suis un peu prise par le temps là. Invitation. Coupé dans le papier brillant. Bonheur encore. Unique. Bisous, trop chouette ton bisou. Souvenir, je t'aime, en couleur or. Ensuite, on a spécial, un coucou. Comme je dis souvent, avec ces mots-là, unique, bonheur, quand ils sont tous séparés comme ça, après on peut les assembler. Un coucou spécial, par exemple. Ou un coucou unique. Ou un bonheur unique. Vous voyez, on peut assembler ce qu'on veut. Un autre coucou argent. C'est bien parce qu'elle m'a fait en argent, en noir. Donc des couleurs qu'on peut servir facilement. Donc la petite die étiquette qui sert toujours aussi. Ça, c'est des indispensables, on va dire. Un bisou, un merci en argent. Un petit bisou en noir brillant, spécial, les précieux, une invitation en noir. Et on peut faire une invitation spéciale, même si ça ferait une faute à la fin, parce que normalement, le spécial, il faudra un E. Ouais, donc ça, on ne peut pas. Mais spécial bonheur. Voilà. Quand j'avais fait la page de scrap avec mon petit-fils, j'avais mis précieux et j'avais mis une esperluette. J'ai mis précieux et unique parce que c'est mon unique petit-fils. Instant. Et merci beaucoup.
J'aime bien ce die cut là, le merci beaucoup là. Ça je l'ai pas, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Puis des petites étiquettes comme ça qui sont un côté un petit peu vieilli comme ça et de l'autre côté plus en vert. C'est top, 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 Hélène. Je te remercie beaucoup. J'ai encore un instant là-dedans. Mais bon, je rangerai tout après parce que là j'ai perdu de temps ici. Donc j'ouvre le dernier. Dernier, c'est Aniel. Bon, Aniel, c'est son pseudo, hein. Sinon, c'est Daniel des 33. Hélène, je t'ai donné le numéro. Oui, je t'ai donné au début, je te redonne quand même. Le 30. Hein, Hélène. Donc, Aniel. Aniel, tu as le numéro 29. Oui, j'ai remonté dans l'autre sens, là. Merci, Aniel. Tu vois, c'est arrivé à temps. Tu t'es fait un souci monstre. Je vais pas y arriver à temps. J'avais. Voilà. Et puis ton fils t'a bien aidé. Parce qu'Agnelle, elle ne peut pas tout, tout faire toute seule. Et elle a un fils apparemment en or qui l'aide beaucoup. Et ça c'est top. Donc Agnelle, elle est toujours jamais avare de commentaires, de félicitations, elle est adorable. C'est une des premières abonnées que j'ai eues, Agnelle. Oh, mais il y a plein d'autres choses là-dedans, c'est bien épais. Mais Agnelle, mais c'est quoi? Ah oui, tu m'avais dit que tu avais des capsules. Et moi, je m'amuse à les faire moi-même, mais j'ai pas toujours le résultat que je veux. Et tu m'avais dit que tu en avais acheté et que tu t'en servais pas, alors. C'est trop top de me les avoir envoyés, Agnelle. Je suis super contente. Donc, je te renverrai un petit cadeau, t'inquiète pas, ça c'est obligé. Même si tu gagnes pas au concours, tu auras ton petit cadeau parce que tu es une de mes vraiment des mes premières abonnées, de mes plus grandes supportrices. Et tu supportes beaucoup, beaucoup de copinettes. Je te vois à chaque fois sur les copinettes que je suis. Tu es toujours au taquet. Même la nuit, on discute. Voilà. Et ah bah c'est vraiment gentil, Agnelle. Vraiment, vraiment. Et là, je découvre encore autre chose. Des fleurs. C'était pas prévu, ça, Agnelle. Mais bon, super, super plaisir. Ah ouais. C'est trop, trop sympa, Agnelle. Elles sont belles comme tout. T'es adorable. T'es adorable. Voilà, c'est tout. On le savait, maintenant on le confirme. Et on le reconfirmera, je pense, encore plein de fois. Regardez celle-ci. Moi, j'aime bien violet, blanc. Et c'est des fleurs qu'on peut utiliser dans plein de sortes de créations. Hein. Elles vont avec toutes sortes de styles. Hein. Elles sont belles comme tout. Hein. Ah ouais, elles sont superbes. Voilà, ben voilà. Et maintenant, il faut que je compose. Trop bien, merci Agnelle. Et là, la petite carte. Waouh, Agnelle, c'est superbe. Tu as fait les petits yeux. Ou c'est peut-être ton fils qui les a fait. Qui est-ce que l'autre jour m'a envoyé une carte? Les mêmes chats avaient des yeux. Et elle m'a dit, c'est mon fils qui les a fait. Vraiment, mon fils, ils ne vont pas me faire des yeux, ni quoi que ce soit sur mes cartes. Hein. Alors eux, c'est plutôt mécanique, voiture. L'autre, c'est informatique, tant que je veux, tout ce que je veux. Mais le fond, j'adore. Tu as super bien réussi, Agnelle, elle est magnifique. Ah, super chouette. Tu as même repassé tous les. Parce que là, ils sont. Les dies, là, ils sont embossés au milieu, en fait. Ou à moitié coupés, en fait. Il a mis du crayon argenté dedans. Ça fait bien ressortir. C'est beau comme tout, Agnelle. Alors, ton fond, j'adore. Hein. Il est super bien réussi. Hein. Pas si tout le monde voit, mais oui, vous voyez tous, de toute façon. Trop top rendu, là. Hein. Ah, ouais. Ah, bah, ça, c'est encore en plus du cadeau. Waouh! Oh, j'adore les petits chats, là. Je crois que je les ai eus. Hein. On les avait offerts en die-cut. Ah, ouais. Écoute, Agnelle, je suis sans voix. Enfin, moi, sans voix, j'ai toujours de la voix. Moi, de toute façon, ça, je suis toujours. Voilà. Ben voilà.
donc j'ai un courrier qui n'a pas de, d'expéditeur, donc c'est une surprise. Donc je ne vais pas dire encore qui, de qui il est, mais on va le découvrir tout de suite. Donc ça, j'ai fait la vidéo ce matin de tous les courriers. Celui-ci, je l'avais oublié, parce que je l'avais mis de côté. Parce que je dirais, je me suis dit, je vais la faire en premier, parce que comme il n'y avait pas d'indication sur qui me l'avait envoyé. Ah, si, ça y est, je viens de voir un petit truc. Ariel. Ah, je viens de voir ici. Oui, des fois, ils ne mettent pas d'indication parce qu'ils ont peur qu'on voie leurs coordonnées à l'écran. On prend précaution de les cacher, mais c'est vrai que des fois, c'est... Après, de ne pas mettre d'adresse derrière, c'est un peu compliqué si le courrier se perd, quoi, il ne va pas vous revenir. Donc, Ariel... Là, je pense que j'aurai toutes les infos. T'inquiète pas, je cache. Donc, ce petit bout-là de vidéo, je l'ai rajouté en faisant un montage dans celle de ce matin. Donc, si vous voyez un petit peu que ça tient, c'est pas très raccord, c'est normal. Alors, j'ai la petite carte. Oh, elle est belle. Oh, j'adore. Avec une abeille en die-cut. Ah, c'est un die, hein. C'est un die qu'elle a fait en deux couleurs pour bien qu'on voie les petites le billes de l'abeille. Là, j'ai le petit mot, je m'en recule. Fait main par Ariel D. Pour ton salaire, voici ma participation, j'espère qu'elle te verra très vite. Donc, c'est Ariel B. Là, j'ai peut-être tes infos. Ariel B du 11. Ariel D du 11. Alors, Ariel, je te dis tout, je te note tout de suite sur ma petite fiche. Oula, je perds la carte. L'ATC. Donc, c'est l'ATC B. T'as 9 sur 9. Fait main, oui, super. Assorti à la carte, c'est super chouette, hein, les bords arrondis et tout, donc un papier déco. J'adore des petites abeilles là. Ah ouais, je n'ai pas encore des petites abeilles, j'en ai en tamponnage, j'ai des insectes en tamponnage, mais faut que je me trouve un de petits die comme ça, j'aime bien. Donc je vais te noter sur ma petite fiche, Ariel dit du 11, et tu auras le numéro 35, Ariel. Voilà. Donc la carte. Oh, chouette. Ah ouais, ça fait un triptyque, hein, comme on appelle ça. Hein. C'est une bonne idée, hein. J'y pense jamais, moi, ça. Faire trois petites cartes différentes qu'on colle l'une à côté des autres. Donc, il y a un petit truc derrière. Ah, elle en a fait deux. Donc, un fond encre. Encre ou t'as fait au feutre? Peut-être qu'elle a fait au feutre à alcool son fond. Le fond, le matage. Hein. Là, c'est sûr, c'est de l'encre. Des encres, des pattes d'encre, ouais. Les tampons, là aussi, c'est super chouette. Hein. On dirait des petites. Ah ouais, chouette. Les chats un peu ébouriffés, comme ça, j'aime bien. Donc j'en ai une orange, une rose. Il y a un tamponnage différent au fond. Super chouette. Bravo Ariel. Un petit carpille en deux, bien. Voilà. Mais c'était... Non, c'est pas encre à alcool, parce que encre à alcool, ça aurait débordé. Non, non, c'est peut-être tout. T'as ancré tout avec des pattes d'encre. Hein. Ouais. Bravo Ariel, bravo, vraiment joli, j'aime bien. C'est original avec ce petit triptyque là, c'est vraiment super chouette. Hein. Les petits tampons là, ils sont jolis aussi. Hein. Tu as vu, des lanternes chinoises, c'est ça que je cherchais le nom. On dirait un peu les lanternes chinoises, je suis dans le chinois en ce moment, le japonais et tout ça, alors j'en vois partout. Hein. Voilà. Et bien comme ça, j'insère ce petit bout dans ma vidéo et puis on passe aux suivantes. Merci beaucoup Ariel. Donc sur ce, je vous laisse, je vous remercie mais infiniment, vous savez même pas à quel point
Et puis je vous fais des grosses crabes bisouilles et je vous dis à bientôt. De toute façon, lundi, soit dans le matin, soit dans l'après-midi, mais au pire, lundi soir, vous avez le résultat du concours. Hein. Je sais plus à quelle, je sais pas à quelle heure. Je sais jamais comment mes journées vont s'organiser, moi. Alors, voilà. Donc, lundi, c'est sûr. Hein. Allez, je vous fais plein, plein, plein de grosses crabes bisouilles et portez-vous bien. Merci, merci aux nouvelles abonnées. Et puis un petit pouce, hein, toujours. Bye bye.